J'hésite, Elise ou Holmes. Bon, je préfère Elise quand même. Merci Zas. Merci beaucoup. C'est gentil, merci pour ton Prime. Merci infiniment. Tu arrêtes totalement Snap. Je fais une pause de Marvel Snap. Si jamais le jeu y change, pourquoi pas rejouer. Mais là, en l'état, pour moi, c'est pas un jeu de cartes. Donc ça m'intéresse pas. Allons-nous trouver sur les champs de bataille ? Ah ! Est-ce qu'on fait Artist into Up pouvoir ? C'est très agressif. Ou alors on garde ça pour les 6 gold. Mais est-ce qu'on a besoin d'artiste ou plutôt guitariste ? Non, je pense qu'on va faire artiste. Non, on va garder sur la Omu Curve le pouvoir. Je pense que c'est le pattern le plus efficace. Non, Johan, là je parlais des abonnements YouTube, pas des abonnements Twitch. Éprouvez-vous un peu. Vous pouvez y arriver. En général, les abonnements YouTube, c'est très lent, mais ça monte un peu. Mais en moyenne, je vais gagner peut-être 10-15 abonnés par mois sur YouTube. Donc c'est pour ça que l'objectif d'arriver à 100 000 abonnés sur YouTube, mon objectif c'est dans les 20 prochaines années. Ça peut paraître dingue, parce que là je suis presque à 84 000, mais de 84 à 100 000, je pense qu'il faut au moins 20 ans. Peut-être que même en 20 ans, je n'y arriverai pas. Faut faire des petits best-of et des shorts, c'est ce qui marche ? Non, je pense pas. Non, pas dans les jeux de cartes. Pas l'Ouest sauvage pour rien. Je pourrais up. Je vais lui proposer. Ah non, mais elle est taverne une, elle, en fait. Don't buy trash. C'est trash, hein, ça. Donc on va up, hein. A priori, pour Tars, sur des jeux genre casse-tête, ça marche bien, bien sûr. Mais est-ce que Tars, il fait des... Sur son TikTok, est-ce qu'il fait du Hearthstone ou du Battlegrounds ou des jeux de cartes ? Non. Les jeux casse-tête, bien sûr. Celui qui va regarder un short ou un best-of de jeux de cartes... Il va... Il va regarder du jeu de cartes. Donc finalement, ce qui va l'intéresser, c'est... Il s'en fout d'un best-of. Ben, ça peut être intéressant de temps en temps. Oh, wow. Est-ce qu'on re-up ? Ou ça et ça, hein ? Non, pouvoir, je vente. Prochain tour, on a 6 plus 1. Attendez. Le up, il est trop agressif, hein, le re-up. Non, je pense qu'on va faire ça et ça. Après, est-ce qu'on clique pour avoir un taverne 3 ? Je pense pas. Ouais, mais c'est pas de la merde, ça. C'est quand même une combinaison sympa. Non, mais je crois que ça me va, ça. Merci Naolif, merci pour le soutien. Oh, un abonnement pour 6 mois d'avance. Bah merci. Merci de ta confiance, c'est super ce que tu fais. Et vraiment merci à toi Naolif. C'est super chouette, merci beaucoup. Je sais plus ce que j'allais dire, mais oui, si t'es joueur de cartes, ce qui t'intéresse c'est la théorie, c'est voir des cartes. C'est voir une partie entière. Donc les best-of ça marche pas. Le best-of ça marche pour des gens qui jouent pas aux cartes. Dans d'autres milieux, mais voilà. D'expérience, hein, je peux me tromper, hein, mais... Ok, ça et ça c'est cool. Et là je peux rentrer un petit pouvoir.
ou ça, et on garde le pouvoir. Le pouvoir, il me choque pas. Il y a un crooner. Crooner tour 5, ça peut aller, je pense. Ok. Les gens veulent prendre plus le temps de regarder des vidéos de 30-40 minutes en vrai, bien sûr, exactement. Bah comme par exemple sur YouTube, pendant longtemps je faisais des vidéos d'Hearthstone d'une heure. Après j'ai voulu faire 30 minutes, ça me permettait de faire plus de vidéos et... Mais il y a encore des gens qui me disent « Ah c'est dommage de ne pas faire des vidéos d'une heure. » Mais déjà 30 minutes c'est beaucoup, hein, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y a même... Voilà, il y a des gens qui veulent même encore plus que 30 minutes. Mais les best-of, j'en ai déjà fait, c'est sympa. Mais en vrai, ça marche pas tant que ça, hein, sur les jeux de stratégie. Hein. Sur les jeux de stratégie, les jeux de réflexion. En fait, tu t'enlèves tout ce qui est intéressant et essentiel dans le jeu. C'est-à-dire la réflexion, tout ça. Vous cherchez des noises de sitôt. Et en plus, il y a le facteur de l'âge, bien sûr. Je pense que les gens qui jouent à des jeux de stratégie... Ils ont pas forcément... En tout cas, la moyenne d'âge, c'est à peu près 30 ans. Et à 30 ou 15 ans, tu n'as pas, la même patience pour regarder une vidéo. Alors... Boussole, Naga... On a un Naga. On peut partir en Naga. J'ai l'impression qu'on va un peu partir en Naga. Oh, nice! L'up est un peu dangereux, mais on pourra avoir un petit maracas, bien gourmand. Collectionneur, c'est pas mal aussi. Ouais, je pense que c'est pas mal là. Sur un tour 6, ça fait une belle tempo, je pense. Il y avait un truc qui m'a fait rire là. Ah ouais, si t'es à 15 abos en plus par mois sur YouTube, il te faudrait 88 ans pour arriver à 100K. Bien sûr. Bah c'est là où déjà, si j'arrive à faire de la pédagogie pour que les 30% qui regardent des vidéos quotidiennement s'abonnent, vous voyez. Une vidéo, elle fait en moyenne 5000 vues. 30% de 5000, on est, allez, on va dire qu'on est à 1500. Donc déjà, si ces gens-là s'abonnent, ça peut faire 1500 abonnés de plus. Déjà, on enlève quelques années sur les 88, oui. Non, en vrai, je m'en fous. C'est à la fin de ma vie, j'ai pas fait 100 000 sur YouTube. Ça m'est un peu égal, mais. Ce serait rigolo, quoi. En taverne 4, il y a des choses cool. Mélise, j'irais, dans ce cas-là. Ma quête commence ici. Ah, je crois qu'on va virer lui. Hein. Oh, il y a un monde où ça, c'est rigolo. Une action non. Qui rapporte. Un ajout de qualité. Échapper aux ténèbres avec moi. Je crois, hein. J'ai pas dit fort, j'ai dit rigolo. C'est pas forcément bien un Bran si je veux jouer Naga, mais un Bran 17-17 quand même. C'est rigolo.
Avec Atissa, c'est pas mal, Bran. Avec Ondulance, non, mais avec Atissa, tu peux générer un peu de pièces et tout. Où peut-on... Ah pardon, j'ai oublié de te répondre, Unblaze. Où peut-on trouver ton joli tapis de souris Hearthstone? Mais tu l'as vu où, ce tapis de souris? Tu m'observes chez moi? Où on peut le trouver, je sais pas. J'ai aucune idée, peut-être sur... Va essayer de voir sur la boutique Hearthstone. Enfin, la boutique Blizzard, peut-être. Ok, on up là. Je le fais, hein. Burk. Vraiment Burk, hein. Petit con. Pas petit con. Non, y a rien, là. Petit con, petit con, petit con. Uran. Non. Je vais juste acheter lui. À moins de garder Rodeuse, mais... Non, c'est trop lent les stats de Rodeuse. Je veux de la stat immédiate là, sinon on va juste se faire défoncer. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Ça va là. Dracarys sur Ondulance. Mais j'ai pas Ondulance là. T'as pas dit que Naga c'était vraiment très faible? Ah si, c'est très faible je trouve. Et je joue à Battlegrounds. Donc je dois m'adapter à ce que j'ai. Si tu forces, tu n'arriveras à... Tu feras que des top 8 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut jouer ce que tu dois jouer. J'ai l'impression que je te l'ai déjà dit plusieurs fois, Derzal. Hein. Attention, hein. Je lève le doigt, hein. C'est grave. Hein. Non, mais je l'ai déjà dit vraiment pas mal. Je pense que je te l'ai dit pas mal de fois, ça, déjà. Jouez ce que vous devez jouer. Jouez pas ce que vous avez envie de jouer. Enfin, si vous faites ce que vous voulez, mais si vous jouez ce que vous avez envie de jouer, vous ferez que des top 8. Et une victoire de plus. La magie est avec moi, semble-t-il. C'est rigolo, ça. Oh, ça fait quoi, ça? Bah, ça revient au même, non? Non, ça, c'est une copie de plus. Vos deux premiers sorts sont lancés deux fois. Bah, autant prendre ça. Vu qu'on a déjà un Maracas, non? Je pense, moi, Maracas me paraît mieux. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Collectionneur, c'est pas mal, hein. De toute façon, il faudra bien... Les cartes, faudra bien les mettre sur une... Les boosts, faudra bien les mettre sur une carte. Je pense, hein. Bon, c'est pas je pense, c'est sûr. Ce sera là-dessus, hein. Vous n'avez pas réussi. Il est venu, il est reparti, il est revenu. C'est le même en plus, hein. On le sait, il a un tatouage sur la fesse droite. Place au rock, rock and roll. Il a eu de la chance en vrai, non?
Ben les gars. Ne vous en veuillez pas trop. Votre adversaire vous a fait de bah, 6 mana, c'est un peu cher par contre. Fazelli, Fazelli. Bran ou Fazelli, on verra. Après, on peut en mettre un sur le... Ouais, non, c'est lent. Hein. Eh, c'est pas mal, ça. À manger. Ah non, pas lui. Bah non, je veux pas virer mon Bran. J'aime bien Bran. Avec Artis Rodeo, ça fait des trucs. Vous avez la pioche facile, dites-moi. La lave se déverse et ma colère avec elle. Miam, 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 le Bran. Quel gourmand. Il est gourmand, hein, ce Bran. Il chasse et il mange tout de suite. Ah, même le cadavre. Il chasse un sanglier, il le mange comme ça, comme un gollum. Il le fait même pas cuire, ce gros dégueu. Pourquoi ne pas l'avoir fait dans le shop ? Il est temps de vous apprendre une ou deux petites choses sur la magie. Pourquoi ne pas l'avoir fait dans le shop ? Parce que je suis con. J'ai des super conseils pour l'engagement des viewers. Depuis que nos vidéos font 1h30, les gens partent, mais ils prennent plus le temps de nous insulter. Ça marche bien. C'est vrai que ça marche bien. Hey, salut mon con. Voici l'étape 19 de ma routine beauté. Vous entendez la mer ? Vous entendez la mer ? Chargez le frais ! Non mais les stats restent pas, je suis trop déçu. Jamais été aussi déçu, je crois. Chargez le frais ! Paf ! Arrêtez de vouloir manger mon Bran. Vous proposez que de un play qui mange le Bran. Je vous ai dit non. Et je donnerai pas d'argument, je n'en ai pas. Mais j'ai dit non, mange pas Bran, enfin. C'est Bran qui mange les gens. Re2, c'est trop lent. Non, Re2, ça pouvait être ok, mais ça m'intéresse pas. Ça porte malheur, exactement. C'est l'argument premier. Ça porte malheur de manger Bran. Vous n'avez rien appris ou quoi, des vidéos ? Vous avez trouvé un sacré bon filon, ne lâchez pas. Pourtant, c'était peut-être le play. Mais ça, on s'en moque, en fait. Hein. À partir du moment où on a dit qu'on ne mangeait pas, on ne mange pas. Hein. J'ai l'impression que c'est pas clair. C'est pas clair pour vous. C'est Bran que vous ne comprenez pas ? C'est Côtelette ? On va arrêter avec ça, on va rien.
faisait pas confiance non plus. Est-ce qu'on veut un Myrmidon? Myrmidon boosté, c'est cool en vrai. Joli play, merci toi aussi. Le sort doré serait bien. Titus. Non, je crois qu'on... Myrmidon c'est pas mal, mais bon. On a déjà lui qui est bien. Je le protège, hein, c'est la mascotte. On touche pas la mascotte. J'aurais pu utiliser le démon qui double attaque ou les PV. Ouais, j'avoue, j'y ai pas pensé. Non, t'as raison. C'est pas con ce que vous dites. En vrai. En vrai de vrai. Juste un tour. Cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Le taunt sur le démon était pas mal, non j'aime pas. Tu prends sorcière once, t'as envie de mourir. Vous voyez, il est cool ce Bran.
avez la pioche facile, dites-moi. Ça, c'est vrai que c'est rigolo. Voilà un partenaire à qui on peut se fier. Je me bats pour mettre une action qui rapporte. Ça... Serviteur, c'est un habitué. Ouais, je lui faisais pas confiance non plus. Ah, c'est... Après, il est pas fou en PV, hein. Il y a un monde où on le bute, hein. J'essaye de le buter, non ? Ouais, je lui faisais pas confiance non plus. Qu'est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas avec nous ? L'or est à vous ! Vous n'allez pas le dépenser en une seule fois. Ça va vous remettre en selle. Action qui rapporte. C'est toujours utile d'avoir. Ah merde, j'aurais pu le booster dans la truc et acheter. Ouais, je lui faisais pas confiance non plus. Je viens de comprendre, je viens de comprendre. C'est pas évident, hein. Pour ma défense, c'est pas évident. Ouais, on pouvait faire boost, ça aurait été vraiment chouette. Ah, vous n'avez pas réussi. Putain, j'avoue, on doublait son endurance, voire son attaque. Après, je pense que ça fait gagner, quoi. Non. Peut-être pas, en fait. Oh, c'est dur à voir comme play. C'est pas intuitif. Enfin, en fait, c'est pas intuitif, quoi. Maintenant, on le saura, mais... C'est quand même drôle comme game. Ça va vous remettre en selle. Ça me fait rire, moi, en tout cas. Voilà un partenaire à qui on peut se fier.
Oh, Myrmidon, c'est bien. Allez, déhanchez-vous. Après, on va pas gagner, non? Parce qu'il a... Faudrait trouver un autre. Je sais pas. Ouais, c'est ok, non? J'ai juste peur de pas le tuer, en fait. Vous jouez gros. Non, il va falloir assumer. Ouais. C'est étrange comme game. Il aurait fallu le taunter en fait. Mais s'il avait un counter, ouais. Ouais, c'est chier. Ça a le mérite d'être drôle, hein. 4 2616. En vrai, c'est pas mal, hein, parce que je peux lui mettre des trucs dessus. Ça reste un truc chiant à battre. Je le mets même un peu à la fin. Après, là, maintenant, il faut mettre des Leroy, des conneries. À votre place, je l'enverrai directement sur le terrain. Ah, ou on fait ça sur un autre. Non, mais non, mais lui, il a trop. Après, on essaye de le triple, peut-être. Non, mais il n'y a pas besoin de le triple. Ouais, si, quand même. Heureusement qu'elle est de notre côté. Ok. On va virer lui, je pense. Lui, il sert pas à grand chose. Ouais, c'est lui qui vire, je pense. Non, mais en vrai, je vais acheter Briekai. On a essayé plein de choses dans cette game, elle est assez rigolote cette partie. Vraiment la compo des maracas quoi. Comme à l'ancienne, Deep Blue, maracas et après on essaye de bricoler. J'ai fait plein d'erreurs. Hein. Enfin vraiment un milliard d'erreurs. Je crois que j'ai peut-être jamais aussi mal joué sur... Non bah peut-être c'est exagéré de dire ça. Mais j'ai fait plein de conneries dans cette game. Mais il y avait quand même beaucoup de... En fait, il y a eu beaucoup d'erreurs d'optimisation. Mais il y a eu du génie. Et le génie fait gagner. Mais j'ai appris plein de choses. Ah mais là, je gagne forcément. Un truc à 7000 PV, il passe pas, hein. Uran peut passer s'il joue comment on appelle ça, avec trouble l'œil là, Bran trouble l'œil, là il peut monter que des 5000 5000, mais là c'est trop difficile. Elle est vraiment rigolote cette partie, disons. Ouais, j'ai rarement fait autant d'erreurs dans la même game, c'est un peu ça, c'est ce que je voulais dire, tout à fait. J'ai rarement fait autant d'erreurs, mais en même temps, c'est pas que j'ai mal joué, c'est juste que j'ai fait une game que je n'ai jamais joué avant. C'est la première fois que... Déjà, maracas dans cette méta, c'est la première fois. Et en plus, avec les démons, machin... Enfin, en fait, c'est des erreurs d'optimisation, finalement. Et vous l'avez vu, vous, et ce qui m'a permis de rectifier. Hein. Donc, plein de conneries, mais en même temps, bah, des choses exceptionnelles. Et on retiendra l'exceptionnel, parce que j'ai quand même fait top 1.